Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à Sura Nyanskriban. Nous nous retrouvons pour le tome puissant 329 et c'est extraordinaire. Croyez-vous, mes frères et sœurs, à cette histoire de mari et femme de nuit? Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est de la frime? Est-ce que ces choses-là sont réelles, mes frères et sœurs? Mais bien sûr que oui! Est-ce que vous êtes déjà vu en train de faire les choses la nuit avec une femme? Ah! Mes frères et sœurs, c'est grave. Cette personne que vous avez vue dans vos rêves n'est pas une personne ordinaire. C'est tout simplement un démon. Un homme ici va nous raconter toutes ces histoires et comment être délivré de tels phénomènes assez étranges qui arrivent à tout le monde. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Écoutons-le. Laissez-moi vous dire, on aime souvent dire mari de nuit, femme de nuit. Mais ce n'est plus juste la nuit que ces choses-là arrivent. On aime souvent dire mari de nuit et femme de nuit. Mais ce n'est plus toujours la nuit que ces genres de choses arrivent. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui traversent de tels phénomènes et ça se passe en permanence. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Tu vois que le lundi, ça s'est passé. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine, mes frères et sœurs, si vous traversez des situations, demandez ce qu'on prie pour vous. Ces choses arrivent le jour comme la nuit. Donc je vais parler aux gens des témoignages, ce que les gens ont fait, là où les gens sont allés et ce qui s'est passé dans leur vie. Et ça sera certainement ton cas. Il y a une personne qui avait ses problèmes de mari de nuit. Et ça, c'est un témoignage vivant. Ce sont les gens pour qui nous avons prié, Jésus les a délivrés. Et elle avait, quand elle dormait, elle rêvait toujours qu'un homme venait avec toujours des rapports avec elle. Et cela tout le temps. Et lolu ça sonné. Au début, c'était comme si c'était rien. Et bu ñëk ba dafa melni lolu du dara. Avec le temps, c'est devenu envahissant. Waye ak nu mu démé ba ci kanam lolu xat dem ba sonal ko. Souvent, c'est le même homme qui vient. Du ëpp gor gogu moy sa sonné moy ñëw. C'est parfois c'est différentes personnes qui arrivent. Lélé ay nit yi wuté ñoy ñëw. Et un jour, ben bus, et ça a changé même de forme. Et nit mu daali soppé ko. En plein jour, elle était là. Elle a senti l'homme, le mari de nuit était juste à côté d'elle. Et qui a commencé à la toucher. Elle a crié, elle a parlé à ses parents, aux gens qui étaient à côté. Et elle a dit, mais il y a un homme qui est à côté d'elle. Qui me touche, qui me fait des choses. Mes parents ont dit, mais on ne le voit pas. Il dit, mais il est là. Il a enlevé ses habits déjà. Venez me délivrer. Et la personne a commencé à pleurer. Et elle a tout fait. Mais ça ne marchait pas. La nuit, il venait. Le jour, quand elle restait la chance assise. Et elle sent la présence physique de la personne à côté. Et maintenant, c'était après. C'est devenu encore pire. Et là, elle rêve carrément, c'est comme un serpent qui est à côté d'elle. Et qui vient souvent avoir des rapports avec elle. Et cette situation l'a tellement fatiguée. Et elle est allée vers les marabouts. Les féticheurs, les marabouts. Elle est allée chercher la solution. Là-bas, vous ne pouvez pas avoir la solution. Ah, les marabouts travaillent avec les mauvais esprits. Le mari de nuit, c'est un mauvais esprit. Tu vas aller voir des mauvais esprits pour chasser tes mauvais esprits. Comment ça se passe? Ce sont des illusions. Mais frère, ça ne peut pas fonctionner. Mais vous allez voir ce qui va se passer ici. Et c'est là que des révélations vont sortir. Ça ne fait que commencer. Écoutez bien, c'est parti. D'abord, elle a commencé en faisant beaucoup de prières. Parce qu'elle est une croyante. Et donc, elle a fait beaucoup de prières. Mais ça ne marchait pas. Elle allait vers les marabouts.
Et quand tu es parti vers les marabouts, un marabout lui a dit, ben serigne da di ko ne, ok, bon, j'ai le pouvoir d'enlever ces esprits là chez toi. Amna dole ak sañ sañ genné lepp lo xamantene moy faru rap ci yow. Je vais d'abord te laver. Dina la sang. Et vous savez, quand je en parle comme ça, xam ngeen num len di wax ni, c'est français wolof. Et français ak wolof. Donc le Sénégal est beaucoup plus concerné par cette situation là. Et Sénégal fi ñu bari am nañ jafé jafé bobu. Donc le marabout lui a dit, et serigne bobu da di koy ne, je vais te laver. Dina la sang. Et il a placé trois calebasses. Mu da di tegle ñett. Et il s'est lavé, elle s'est lavée ici. Mu da di tek ñett leket bu nepp ci sangu. Vous voyez, toute nue complètement. Et mu simiko te dara dessul ak mom. Elle s'est lavée là. Mu sangu ci lo ci fofu. Elle s'est lavée au deuxième calebasse. Mu sangu ci leket bi. Et après s'est lavée au troisième calebasse. Sangu wat ci leket bu ñaarel bi ba ci ñettel leket bi. Elle s'est lavée comme ça. Mu sangu nonu. On lui a dit, mais maintenant comme tu t'es lavé. Ñi ne ko ni nga sango legi. L'homme de nuit va partir. Et ñi ne leg faru rab bob dina dem. Mais elle est rentrée chez elle. Après quelques temps. À Kaifan. Mais l'homme de lui n'est pas parti. Et bon, faru rabobu jogewul ci mom. Et elle repart encore chez le marabout. Mu dema ci serigne bobu. Dit au marabout. Mu ne ah serigne bi. Mais ça avait diminué, mais ça a repris encore. Et lolu dafa wagnou won waye dafa tapali wat dafa ñu wat. Le marabout lui dit maintenant. Serigne bi dal di koy ne. Cet homme de nuit que tu as là. Et faru rabbo yor bi. Ah, il est solide et fort. Et dafa am doole. Très fort. Maintenant, je veux faire autre chose. Ce que je veux faire maintenant, j'ai un pouvoir avec mes yeux. Mon ami, tu m'écoutes, hein? Écoute très bien. Ce sont les choses qui se passent ici. Là. Et dans plusieurs pays aussi. Il a dit, j'ai des pouvoirs avec mes yeux. Enlève tes habits. Et dindi simekul. Si mes yeux regardent ton sexe. Et sama beuti bu xasse ba gis ciiri. Le mari de nuit qui est là-bas. Et faru rab bu fa nek. Il va fuir. Dina daw. Elle a dit non, tu pas. Mune det mu du lol du mako def. Dis je non, fais autre chose. Mune defal lenen way lol du mako def. Non, j'ai ce pouvoir. Mune det amna sañ sañ bobu. Enlève juste tes habits. Simiku rek. Je regarde seulement. Bu mo xolé ce ciiri rek. Dès que je regarde. Bu ci xolé rek. L'esprit va partir. Mu xel bu bon bobu dina dem. Il a dit ça, je pas. Mune ah ndaw sosu ne ko det du mako munu mako def. Et puis il a dit OK, j'ai un autre pouvoir. Mune amad na benen dole. Je vais prendre mon visage, mon front de mon visage là. Dina jël sama bop. Collé sur ton visage. Me sesse ko ak sa bop. Et si c'est collé sur ton visage. Bu me sesse sama bop ci sa bop. L'esprit qui est là. Et quel bu nek ci yow. Va partir, mais c'est pas la même chose. Dina dem waye du don ben. Il a fait ça. Mu def lolu. Mais l'esprit n'est pas parti. Waye rab bobu demul. Et une autre fois. Et benen yone. Elle est repartie encore sur le marabout. Mu dema ci serigne bi. Le marabout lui a dit OK. Serigne bi da di koy ne. Maintenant j'ai autre chose à faire. Amna lenen lum lay defal. Je t'avais dit. Dem la nene. Que si je regarde seulement. Bu mo xolé ce ciiri. L'esprit mari de lui va partir. Et faru rab bobu dina dem. Mais non, cette fois-ci j'ai vu que ton mari de lui est plus dur encore. Bi pa dama gis ni sa faru rab dafa gëna deugër. Je t'ai dit fais tes sacrifices. Mala defal sarax bi nga def. Bois tes choses tu as bu. Nana li nga nan ko. Je t'ai plusieurs fois lavé. Et ña ma sang la lu je t'ai lavé plusieurs fois. Ma sang la. Mais rien ne s'est passé. Way dara soppé. Je dois faire plus dur que ça. Légui dama wara def lu gëna am doole lool. Mais non, viens tel jour chez moi à la maison. Ñewal ba su sangam sama kër. La nuit tu viens maintenant. Koudi nga ñew. Et la fille, la dame est arrivée. Et ndaw sosu ñew. Et le marabout a dit bon, mets-toi sur le lit. Et serigne bi dal di koy ne na teud ci na. J'ai des pouvoirs dans ma chambre, dans mon lit. On a le pouvoir. Na tok ci lalom ndax te ci lalom amna fa ay doole. Je dis ces choses là. Mang koy wax pour que beaucoup de gens, vous qui allez me suivre là. Et yeen ni demay setan. C'est tellement vous passez par ces histoires comme ça. Et lu ci bari amna ño xamanteni ñu ngui koy dundu. C'est une histoire vraie. Et lu deug la. Et c'est pas une seule personne qui a vécu ça. Et du ben nit moko dundu. C'est plusieurs personnes. Waye nit ñi bari ñoko dundu. Donc maintenant le marabout j'ai dit, il a dit que j'ai un pouvoir sur mon lit, toutes ces choses là. Serigne bi da di nga ne man amna ay doole ci batine ci sama lal. Il faut te coucher là. Donc fay teud rek. Et si tu te couches là. Bo fa teudé. Et maintenant, si moi j'ai des rapports avec toi. Man buma xasse ba sey ak yow. Dès qu'on a des rapports. Buma seyé ak yow. Quand je vais me lever comme ça. Buma jogué. Je vais retirer cet esprit de mari de lui qui est en toi là. Dina genné faru rab bu nek ci yow. Et il sera sur moi. Et dina nek ci man. Et puis je vais le jeter après. Et buma dina ko sam. Donc c'est la seule chose qui te reste maintenant. Lo kessé mo la déssé. Tu viens, je fais ça chez toi. Ñëwal ma def ma sey ak yow. Et quand je vais me retirer maintenant. Buma jogué ci yow.
je prends le mari de Dieu. Et tu seras maintenant libre. Voilà ce qu'a dit la fille. Et Dieu merci pour cette fille là. Elle était tellement fâchée. Elle a résisté, elle a refusé. Mais malheureusement, d'autres femmes sont passées par là. Elles ont fait ça. Mais il n'y a pas eu de délivrance. Le mari de lui était toujours là. Et un jour, nous avons rencontré ces gens-là qui ont eu ces expériences. Ils ont pris les fétiches de plus de 10 ans. Le mari de lui était toujours là. Donc, quand nous avons rencontré ces personnes-là, on leur a dit que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc si Jésus te libère, tu seras réellement libre, libre et libre. Totalement libre. Viens à Jésus. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui m'écoutes, tu as des problèmes avec le mari de nuit depuis de nombreuses années. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as levé les marabouts. Et les marabouts t'ont pris. Ils t'ont lavé. Pire encore, pour d'autres personnes, ont eu des rapports avec toi. Ils t'ont augmenté encore les maris de nuit. Encore. Ta situation est devenue pire. Tu es chargé, tu ne sais pas où partir. Peut-être que tu connais quelqu'un qui vit cette situation. J'aimerais te dire, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, je vais vous donner du repos. Viens à Jésus. Tu es fatigué par les maris de nuit qui te fatiguent. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Ton mari t'a chassé parce que il est fatigué par les maris de nuit et ton mari t'a même chassé et ton mari menace même de se séparer avec toi et tu n'arrives pas à te marier parce que quand tu as un fiancé, ton fiancé rêve même que quelqu'un le menace. Laisse cette fille là. Elle m'appartient. Ça, c'est un mari de nuit. Et tu n'arrives pas à comprendre cela. Tout mari qui vient vers toi, et il finit par changer d'avis. Parce qu'on le menace la nuit. Et tu as levé les marabouts qui t'ont donné beaucoup de fétiches. Et ces personnes qui sont venues, on a prié pour ces personnes. On a dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est dans 1 Jean 3, verset 8. Et donc, Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Jésus va te libérer. Et quand ces femmes-là sont venues, nous avons prié pour elles. Nous leur avons dit que les fétiches ne peuvent pas vous sauver. Les fétiches ne peuvent pas vous délivrer. Viens Jésus. Jésus va te délivrer de ces maris de nuit. Tu as fait 10 ans ou plus de 10 ans avec ces maris de nuit là. Tu as rencontré beaucoup de marabouts. Rien n'a changé. Maintenant viens Jésus. Viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Et on a prié pour ces personnes au nom de Jésus. Une seule prière. Ben nyan. Un seul jour. Ben bus. L'histoire de leur vie a changé. Sen dundu da di sopeku. En une seule jour. Ci ben bus. Une seule prière. Ben nyan. On a chassé ni dak ces maris de nuit. Faru rab yoyu. Parce que Jésus a dit, ndax Jésus dafa né, en mon nom, ci sama tour, vous chasserez les démons. Ngen dak rabbi. Les démons, on négocie pas avec les démons. Rabbi ken du waxtan ak ñom. On calme pas les démons. Ken du len dalal. On les supplie pas. Ken du len ñaan.
Jésus a dit vous chasserez les démons. Donc ces maris de Nisson sont des démons. Nous avons chassé ces démons au nom de Jésus Christ. Et les démons sont sortis de leur corps. Le mari de lui est parti depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Plus jamais elles ont eu ces rapports-là. Elles ont vu un mari de nuit. La journée, il est là. La nuit, il rentre dans ta chambre. Toi, tu le vois. Les autres n'arrivent pas à le voir. Mais dès qu'on a prié au nom de Jésus, les maris de nuit est parti. Jésus les a délivrés. Une seule prière. Sans rien donner. Pas donner de l'argent. Et on ne leur a pas donné à boire. On a prié seulement au nom de Jésus-Christ. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a vaincu Satan, a vaincu les démons, a vaincu les maris de nuit. Si toi aussi tu vis des histoires de femmes de nuit, il y a un homme qui avait des problèmes de femmes de nuit. Au début, il réveille une jolie femme qu'ils avaient des rapports la nuit. Et il était content comme ça. Il était content comme ça. Mais un jour, il a vu le visage de cette femme-là qui est devenue un singe. Et il a crié. Il a essayé de repousser cette femme-là. Le visage du singe, le corps de femme. Mes frères et sœurs, il y a plein de gars même ici même. Il y a plein de gars qui ont déjà vécu cette expérience. Au départ, quand tu vois un truc pareil, tu te dis que oh, c'est joli, c'est mignon, c'est extraordinaire. Moi, je suis visité par une belle femme la nuit. Mes frères et sœurs, c'est un démon. Et ce démon-là, c'est un serpent. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites vraiment beaucoup attention. Demandez ce qu'on prie pour vous. Parce que c'est très, 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 très important. Ah! Quoi? Nous ferons une autre vidéo là-dessus. Si vous n'avez pas bloqué, vous avez bloqué la cloche de la TV parce que c'est extraordinaire. Mais il a le visage du singe, le corps de femme. Mais il n'a plus jamais pu repousser cette femme de lui-là. Le visage du singe, le corps de femme. Mais il n'a plus jamais pu repousser cette femme de lui là. Maintenant qu'il a découvert que ce n'est pas une jolie femme, c'est un singe déguisé en jolie femme, il veut mettre la chasse et dit non, on est ensemble, il dit on est ensemble demain. Et ce qui fait que presque toutes les nuits, cette créature démoniaque venait le visiter et avait des rapports avec lui. Et ça continuait, il continuait toujours la chose, mais là, il n'aimait plus la chose. Il était fatigué. Et il était devenu épuisé, sexuellement même, il était épuisé. Il n'avait même plus envie de sa propre femme. Il n'avait plus envie de sa propre femme. Parce qu'il avait déjà une autre femme. Voilà. Il a tout fait pour être délivré de cela. Rien ne s'est passé. Il a vu plus de 30 marabouts. Rien ne s'est passé. On lui a dit, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Jésus va te délivrer. On a prié pour lui aussi. Au nom de Jésus. On a chassé les femmes de nuit. Ce même jour, la femme de nuit est partie. Elle n'est plus jamais revenue dans sa vie. En tout cas, il sera content parce qu'il y a un singe pareil là. Qui aimerait voir un tel singe encore? Ça, c'est une histoire assez compliquée. Il avait fait plus de 18 ans avec cette femme. Avec un singe! 18 ans avec un singe!
Vous avez vu que ce n'est pas de la blague. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de tels problèmes. Et ce n'est pas du tout joli, joli. On l'a chassé en une journée seulement. Jésus libère. Jésus délivre. Viens, Jésus. Tu es en train de souffrir. Tes parents sont en train de souffrir. Ton ami souffre. De mari de nous, de femme de nous. Viens Jésus. Jésus va te délivrer. J'aimerais prier pour toi. Amen. Prier pour toi. Cette histoire est courte. Parce que je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'autres détails. Tu sais, quand tu es chez le marabout, ce que le marabout t'a fait, tu sais, et que tu as honte de ce qui s'est passé. Ma soeur, si vous avez eu de telles expériences ou vous vous êtes rendu chez les marabouts et vous avez même couché avec les marabouts, c'est le moment de vous confesser. Parce que la délivrance commence déjà par la confession. Maintenant, viens à Jésus. Il va pardonner tes péchés. Il va te délivrer. J'aimerais prier pour toi. Que l'esprit de mari de nuit et que les femmes de nuit qui sont là vont abandonner, quitter ta vie. Si tu viens à Jésus, Jésus va te libérer. J'ai prié maintenant pour toi. Si tu entends ça, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ça. Peut-être ton ami va te donner ça par carte mémoire. Mais dès l'instant que tu vas écouter ça, en écoutant cette prière, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Tu vas aller chercher Jésus. Tu vas chercher. Tu vas quelque part. Si tu trouves quelqu'un, des églises, ou des enfants de Dieu, ou des pasteurs qui vivent dans la vérité, tu peux aller les voir. Nous, je suis talibé de Jésus. Moi, je ne guéris pas des gens. C'est Jésus qui libère. Donc, tu vas chercher Jésus. Donc, si tu vas quelque part, si tu dis qu'il ne faut pas que quelqu'un parle seulement de Jésus, si tu commences à te faire boire des choses, manger des choses, te faire des prières la nuit, ou dans une chambre avec lui, ce n'est pas ça. Ça sont les faux. Ils ne sont pas dans la vérité. Mais tu vas voir les hommes et les femmes de Dieu qui vivent dans la vérité, qui vont prier pour toi en une journée seulement. En une journée seulement, tous les problèmes de mari, de nuit, femme de nuit que tu avais eu depuis des années vont quitter ta vie au nom de Jésus. En une journée, tu n'as qu'un jour pour être sauvé, pour être délivré. Viens à Jésus. Tu souffres. Tu souffres. C'est dur pour toi. Mais Jésus est la solution à tes problèmes. Peut-être que tu n'aimes pas Jésus. Quand j'entends parler de Jésus, tu es en colère. Viens à Jésus. Il va te délivrer. Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Tous ceux qui vont entendre ce message, je prie Seigneur que ta main puissante puisse toucher leur vie, puisse toucher leur cœur, puisse toucher leur vie. Que les personnes qui vivent cette de mari de nuit, de femme de nuit, soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Que leurs fétiches, ceux qui croient aux fétiches, qui puissent abandonner ces fétiches, brûler ces fétiches au nom de Jésus-Christ, qui viennent à Jésus. Seigneur, je crois en toi. Tu as délivré des hommes et des femmes qui souffraient de ces problèmes pendant 10, 15, 20 ans. En une journée, ils étaient délivrés. Dieu Tout-Puissant, je prie de tout mon cœur pour mon frère et ma soeur qui est en train de souffrir toutes ces années. En écoutant cela, que toute force qui veut l'empêcher de venir vers Jésus, je brise cette force-là au nom de Jésus. Que tout conseil de ses amis qui vont parler de religion, qui vont l'empêcher de venir vers Jésus, je chasse ça de sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Sois béni à jamais. Amen. Amen. Amen.
Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous a le plus touché à ce témoignage? Moi, personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est le fait que ce gars-là, il a cru que la femme qu'il voyait dans son rêve, là, c'était vraiment une vraie belle femme. Hein. Mais quand il a découvert que c'est un singe. Waouh! Franchement, il a eu du dégoût. Mais malheureusement, il ne pouvait plus arrêter parce qu'il n'avait pas la force et la puissance de pouvoir y arriver. Mais il a fallu qu'on prie. Et c'est dans la prière qu'il y a eu un miracle et il a été sauvé. Waouh! Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que 9 personnes sur 10 traversent de telles situations. Et ce sont des trucs pareils qui se produisent la plupart du temps. Oui, ce sont de telles choses qui se produisent. Et on se demande, mais comment on va faire? Si tu vois que tu as des rapports sexuels avec une femme dans la nuit, tu as des rapports sexuels le lundi, le mardi, le mercredi, toi chaque semaine, tous les jours de la semaine, mes frères, cherche Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention, cette femme-là, elle va venir physiquement et tu vas la voir. Et tu vas la voir. Et ça va être chaud. Hein. Prie maintenant. Demande à Dieu de t'aider. Cherche un vrai homme de Dieu qui prêche sur la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Une autre vidéo va suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Si vous avez été touché par ce témoignage, comment cliquez sur j'aime. Et dites-nous dans la partie commentaire qu'est-ce qui vous a le plus impressionné. Préparez-vous pour une autre vidéo de témoignage. Puis ça va bénir. Ça va être chaud. Let's go.